Nous sommes au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et nous sommes venus ici pour rencontrer Stefano Gervasoni. Stefano Gervasoni est un musicien italien, il est né à Bergamo. Et quand je dis musicien, bon, c'est un musicien italien qui enseigne ici au Conservatoire donc, National de Paris. Et quand je dis musicien, ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'on imagine un musicien, on imagine un piano, un violon, un hautbois, toutes sortes d'instruments. Or, Stefano Gervasoni est bien capable de jouer de ces instruments, peut-être pas tous, mais enfin quelques-uns. S'il est ici au conservatoire, c'est avec un autre habit sur lui. Il est professeur de composition. Alors, professeur de composition, il enseigne donc la composition musicale et c'est un peu l'aboutissement de sa carrière de musicien. Une carrière qui a commencé il y a très longtemps, enfin, il est encore jeune, mais quand même, il est musicien depuis sa toute première jeunesse, et sa vocation a été renforcée, disons, ça s'est épanoui vraiment grâce à une rencontre avec Luigi Nono, dont vous allez peut-être nous parler. Dites-nous un peu comment s'est passée cette rencontre avec Luigi Nono et qu'est-ce qui vous a déterminé à suivre les pas de Luigi Nono. Luigi Nono, compositeur italien très important et en plus avec une histoire personnelle emblématique, étant le mari de la fille de Arnold Schoenberg, Nuria Schoenberg, donc représenté pour moi un mythe. Et j'aimais sa musique et son engagement politique. À l'époque, donc fin des années 80, non, pardon, fin des années 70, c'était un aspect très important chez les compositeurs d'avoir un engagement politique. La plupart étaient engagés à gauche et il y avait peut-être, vous avez même un propos qui allait au-delà de la musique, très idéologique. Bon, tout ça faisait énormément d'intérêt autour de la musique contemporaine, du phénomène musique contemporaine, qui était en parallèle du moment historique italien, considéré un moment culturel important pour le renouvellement de la vie italienne. Les compositeurs, Luigi Nono faisait partie du comité central du Parti communiste. Il y en avait d'autres qui étaient aussi membres du Parti communiste. Donc, je m'adressais à Luigi Nono pas seulement en tant qu'admirateur de son travail musical et de son histoire, mais aussi parce qu'il y avait cet aspect qui pour moi était très important. En plus, Luigi Nono avait une générosité énorme, du moins vers moi et l'ami avec qui on lui a rendu visite. Tout à fait par hasard, on l'a appelé chez lui à la Giudecca à Venise. Il nous a reçus immédiatement. On est resté une journée entière. Avec le soleil de la lagune en face de nous, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour tomber amoureux du monde qu'on imaginait d'un compositeur. Et il a beaucoup parlé de tout, en fait, et très peu de musique, surtout de livres qu'il lisait, ses rencontres, sa passion, il mettait beaucoup de passion.
Et voilà, donc il nous a des conseils, nous donnait des conseils pour, parce que j'étais pas encore étudiant en composition, je faisais des études de piano. Il nous a donné des noms de compositeurs qui enseignaient au Conservatoire de Milano, le conservatoire à côté de ma ville. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Luigi Nono n'a jamais enseigné. Et de toute façon, je voulais pas l'avoir comme professeur, oui. Comme quelqu'un qui pouvait me guider de façon académique. C'était plutôt sa figure d'artiste à 360 degrés qui c'était mon initiateur. Moi, je vois cette journée à Venise comme une sorte de rite d'initiation qui était décisif pour le développement de mon étincelle de compositeur. Une journée en formation. Initiatique, en quelque sorte. Journée initiatique, oui, tout à fait. Et alors, donc, cette journée initiatique vous a conduit, quelques années après, et même un certain nombre d'années après, à venir enseigner dans ce Conservatoire national de musique de Paris. Ça fait combien de temps? 3 ans, 4 ans que vous... Non, c'est déjà ma septième année. Ah, c'est la septième année, déjà, oui. Donc, ça fait quand même... Oui, cette année, je suis devenu professeur avec un contrat à temps déterminé. Mais ce n'est pas votre premier rapport, contact avec la France. Non. Parce que vous étiez déjà ici quelques années avant. Oui. Je suis venu donc en 93 à l'IRCAM. Mm-hmm. Donc l'IRCAM, une des institutions phares de la musique contemporaine. Oui, l'IRCAM, rappelons, ça veut dire l'Institut de recherche et de... je ne sais plus. Recherche et acoustique musicale. Voilà, c'est ça. Qui est à côté du Centre Pompidou, oui. Créé par Pierre Boulez. Et à l'époque, Luciano Berio faisait partie aussi des conseillers, disons, techniques, artistiques. Et l'IRCAM a commencé en 91 ou 92, je ne me souviens plus bien. Un cours annuel qui s'appelle Cursus d'informatique musicale, qui existe toujours, qui s'est développé et maintenant en plus il s'est mis en rapport avec les écoles importantes d'Europe, le Conservatoire de Paris, mais aussi le Conservatoire de Genève, la Hochschule à Stuttgart. Donc c'est un système qui essaie d'intégrer la musique électroacoustique à l'enseignement de la composition instrumentale. Et bon, en 93, c'était encore une sorte de prototype. On était dans un petit bâtiment avec un seul ordinateur et il fallait se disputer pour pouvoir avoir accès à cet ordinateur. L'informatique musicale était déjà pas mal développée dans le sens de la micro-informatique, oui. Mais on n'était pas encore arrivé à la souplesse et à la capacité qu'on a maintenant de créer, de gérer l'interaction entre le son instrumental, l'acoustique en général, le monde acoustique et le monde électroacoustique et le traitement numérique du son en temps réel. Si je comprends bien, un compositeur contemporain doit être aussi un informaticien. C'est pas obligatoire, mais du moins ici et dans ces écoles, c'est des écoles importantes d'Europe, et aussi dans certaines écoles aux États-Unis, Columbia, Harvard, donc des universités, et c'est considéré tout à fait normal d'apprendre l'informatique musicale, aussi bien que la théorie de la composition et l'acoustique des instruments. Vous avez eu un itinéraire cosmopolite, si je peux dire, parce que il n'y a pas seulement la France, vous avez aussi travaillé en Allemagne, j'ai lu votre biographie, vous avez travaillé aux Pays-Bas, et puis peut-être aux États-Unis, non? Un peu aux États-Unis, voilà. Oui, j'étais au Brésil, j'étais jamais au Pérou, oui. Je regarde mon élève péruvien qui est là. Oui, c'est ça, vous avez ici un élève, un de vos élèves qui est péruvien et qui va nous dire quelques mots tout à l'heure. Et...
Oui, donc je reviens à votre itinéraire cosmopolite et je me pose une question qui est une question intéressante pour nos internautes, pour les internautes qui regardent cet entretien. Pourquoi finalement, pourquoi la France, pourquoi Paris et pas Berlin, Amsterdam ou New York? Non, mais j'ai aussi habité une année à Berlin. Oui. J'ai une bourse du DAD. Alors, je voulais dire une chose déjà. Les musiciens sont nomades par oui. définition, parce que dans l'histoire de la musique et de la culture en général, les artistes ont dû toujours aller quelque part pour trouver de meilleures conditions, un mécène. Les musiciens, oui, il y a une vieille tradition, Mozart. Oui, à Paris, il y a toute une tradition Chopin, des compositeurs italiens, et pas seulement italiens, qui ont habité, vécu, trouvé les moyens pour réaliser leurs œuvres. Et puis, la musique, c'est un langage, comme on dit, universel, donc on n'a même pas un problème de langue. Deuxième chose, on vit l'époque globale, donc mon travail de compositeur et aussi d'enseignant se développe dans un contexte qui est déjà multiculturel, multinational. Au Conservatoire de Paris, j'ai un seul étudiant français et les autres viennent tous de l'étranger. Plus les autres continents que l'Europe. Dans un orchestre aujourd'hui, on voit des têtes des races différentes, donc des cultures différentes, et ça c'est tout à fait normal. Et puis bien sûr, on va dans une ville parce qu'on a un projet commandé par tel orchestre, on a une résidence dans une autre ville parce qu'une institution nous offre des possibilités. Je viens d'une petite ville, Bergame, qui a une histoire importante, mais bon, qui a peut-être gardé comme un trésor cette histoire. Elle n'a pas su s'ouvrir, elle commence à s'ouvrir à la culture, disons, contemporaine, mais pour la musique, pour la musique, non. On n'a pas encore cette ouverture. Et puis, la musique signifie aussi des coûts importants de réalisation. Un orchestre coûte énormément, c'est énormément de personnes. Pour ne pas parler des cachets des artistes, de certains artistes solistes, voilà. Et puis ils font une salle, ils font des conditions, réunir des conditions qui ont un coût important. Voilà pourquoi une ville de Provence, même si riche, oui. a du mal à développer développer des expériences culturelles qui peut-être ne rapportent pas assez en termes de public. Ça, c'est oui, le problème de l'art contemporain et c'est le problème de la musique dite savante aujourd'hui. Vous semblez avoir, malgré tout votre nomadisme, malgré tous les pays que vous avez connus où vous êtes allé, vous avez quand même un rapport privilégié avec la France. Oui, et j'ai un rapport d'amour, de haine, oui. en même temps, comme tous les rapports privilégiés. Bah, il se trouve que, bon, déjà mon histoire avec Paris est maintenant importante, parce que c'est à partir de 1993. Et, sauf un petit moment 2000-2004 où je venais de façon temporaire voilà, à Paris, sinon j'ai un rapport constant, j'ai habité constamment depuis 1993 jusqu'à 2000 et j'avais acheté un appartement que j'ai vendu malheureusement. Ah. Voilà. Et puis en 2006, j'ai eu ce poste, mais j'ai eu des commandes des institutions françaises. J'étais à la Villa Médicis à Rome. En tant qu'Italien, ça fait un peu bizarre, mais c'est un énorme privilège. Oui. Et de toute façon, j'aime garder un rapport avec ma ville d'origine, parce que peut-être cette dimension un peu provençal
C'est la seule dimension qui me permet de trouver le calme et la concentration nécessaire pour composer. Il y a des racines quand même, justement. Oui, les racines, je dois encore faire un travail pour vérifier si les racines familiales ont un poids déterminant, culturellement déterminant sur mon inspiration. Pour moi, c'est bêtement une question de lieu, de conditions matérielles pour pouvoir faire mon travail. Mon travail, je veux dire, pas le travail d'enseignement, pas le travail avec les musiciens, mais le travail d'écriture musicale. Quand je compose, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme. Et je sais que, et c'est très rare, c'est des conditions très rares à réunir à Paris. Ça demanderait, disons, d'affronter des problèmes d'ordre financier que je ne peux pas affronter en ce moment. Sur une montagne, je ne sais pas si ce serait l'idéal, mais il y a des avantages quand même. Aujourd'hui, on est aussi très dépendant d'Internet, d'avoir des rapports permanents avec les gens avec qui on travaille. Donc, chez soi, dans un petit quartier, une rue calme, des voisins qui ne font pas de bruit. Sur une montagne. Et Internet qui arrive. Sur une montagne, il y aurait peut-être des échos, donc un problème. Il y aurait peut-être un risque de déclencher des avalanches avec la musique. Bon, bah, je dis montagne parce que j'aime beaucoup la montagne et je viens d'une ville qui est à côté des montagnes. Je crois que les montagnes m'ont inspiré, la nature m'inspire beaucoup. Et puis, je ne peux pas avoir un rapport idylliaque avec mes sources d'inspiration parce que bon, les gens qui savent, qui écoutent la musique contemporaine savent que on n'est pas témoin notre musique n'est pas témoin d'un rapport nostalgique avec la musique du passé ou avec la nature. Mais on est plutôt témoin de la complexité d'aujourd'hui. Et donc, c'est des pièces, c'est des partitions, c'est des situations musicales qui demandent un rapport critique et pas vraiment le plaisir de l'écoute ou une dimension tout à fait ultra, comment dire, au-delà du temps. C'est pas de la musique pour se détendre, c'est plutôt de la musique qui nous fait penser. Ça peut être très déroutant pour des oreilles non averties et non habituées, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout à l'heure que musicien, ça fait penser, on voit immédiatement quand on dit musicien, piano, violon, etc. De quels instruments jouez-vous? Moi, je suis pianiste, mais mauvais pianiste. Oui, mais enfin, vous jouez... Pas pianiste professionnel, oui, je joue du piano et j'utilise mon piano pour tester quelques moments de mes partitions. Il vous est arrivé quand même de vous exhiber dans des concerts ou... Non, j'ai plutôt un peu dirigé, mais alors, il faut que je dise que un musicien, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui maîtrise son corps et ses reflets, mais qui doit aussi affronter un public. Et affronter un public signifie gérer des émotions qui, quand on est seul, sont pas sollicitées, mais quand on est devant un public, peuvent devenir très importantes. Alors là, moi, je suis tout à fait défaillant. Mm-hmm. Je perds mon contrôle devant plusieurs personnes. Écoutez, il y a une question quand même qui justement, pour le grand public, pour la majorité des gens, je pense, qui pourrait, comment dire, déconcerter, susciter quand même quelques perplexités, parce que on se dit, vous enseignez la composition musicale.
la composition, il y a évidemment tout un aspect technique, et on imagine très bien que vous enseignez la technique, disons, de cette technique musicale. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'inspiration? On ne peut pas enseigner l'inspiration. Non, c'est vrai, on ne peut pas enseigner. On pense que quand on sélectionne des jeunes étudiants, les concours d'entrée au conservatoire, on ne s'occupe pas vraiment de ça, mais on pense que ces gens ont tellement... Ils ont déjà l'inspiration. Qu'ils ont déjà leur moyen d'être inspirés. Alors, il s'agit plutôt de créer, de faire de manière que moi, en tant que compositeur, mes étudiants, en tant que compositeur, se mettent dans des conditions spécifiques, aptes à solliciter l'inspiration. Alors l'inspiration est toujours là, mais parfois on oublie, on est fatigué, on n'est pas concentré, on est très sollicité par des questions matérielles, mais c'est le cas des étudiants qui viennent à Paris, ville qui coûte cher. Et alors souvent, cette préoccupation devient dominante par rapport à la pure inspiration. Ou mieux, on pourrait même dire que les conditions matérielles peuvent être une source d'inspiration. Et alors, c'est sur ça qu'on fait le travail. C'est plutôt un travail d'analyste. Comment gérer ces différentes énergies, souvent en conflit, pour permettre de trouver le calme, la lucidité, un rapport avec les parties intimes de notre... je fais ça, mais en fait, je m'adresse plutôt là, de notre esprit. Et de les accorder aux différentes sollicitations, parce qu'une pièce, c'est pas juste... une inspiration devenue note, rythme, structure musicale, mais c'est aussi une façon de répondre à des demandes. Mm-hmm. On demande d'écrire pour tel instrument, telle formation instrumentale, avec certaines caractéristiques. Parfois, les commanditaires ou les gens qui proposent des pièces disent « je voudrais telle pièce avec telle chose, un moment fort, telle thématique, un sujet spécifique ». Alors ça, on doit l'accorder à nos envies, à nos désirs, à notre capacité de s'imaginer quelque chose à partir peut-être des données qu'on n'a jamais... penser d'utiliser pour un projet de création musicale. C'est pas juste dire tout ce qu'on a à dire, mais c'est aussi une capacité à intégrer des éléments de découvrir et d'intégrer des éléments qu'on ne s'imaginait pas être producteur de l'inspiration et voilà, d'une partition, d'une pièce de mixte avec la voix, avec. Ça, c'est aussi très important de pouvoir utiliser la musique comme un moyen d'exploration des autres domaines, le théâtre, donc l'opéra. Maintenant, avec l'électronique, c'est aussi la vidéo et les formes plus expérimentales d'interaction avec des images, du son qui n'est pas le son pur des instruments de musique. Oui, et puis il y a une tradition de musique de film, de musique pour le cinéma. Ça aussi. Donc, effectivement,
les domaines. Alors, le conservatoire, ces domaines sont un peu divisés parce qu'on a un département de musique à l'image. Mmh. Et donc, c'est la musique, disons, plutôt fonctionnelle. Ce sont des secteurs très spécialisés. Oui, ça, c'est le cas spécifique de l'enseignement de la musique en France. Mmh. Alors, ces trois secteurs, voire quatre, voire cinq. Alors, qui fait la musique jazz, fait la musique jazz, il y a un département jazz. Après, on peut trouver des formes de collaboration avec des gens qui font la musique, la musique contemporaine, donc ma discipline et mon département. C'est donc de la musique, personnelle. Mm-hmm. C'est le rapport avec les sources historiques. Et là, juste pour encadrer les étudiants, mais ce n'est pas l'objectif d'écrire de la musique qui reproduit les styles du passé ou de la musique récente. Ça, c'est plutôt l'objectif du domaine du département d'écriture musicale. Et là, c'est vraiment la reproduction des styles du passé. Certains étudiants viennent de ce département. Donc, ils apprennent le contrapoint, la polyphonie, donc les formes historiques. Et puis, ils viennent ici pour trouver leur voix personnelle. Mais il est bien possible qu'ils arrivent ici directement parce que d'un instrument. Ils sont pianistes, ils sont guitaristes et ils abordent la composition pure, la composition artistique. En fait, on n'a pas un terme pour qualifier cette musique. Ou bien ils viennent de la musique à l'image, ils viennent de la musique jazz ou la musique rock, ils ont envie de retrouver un rapport avec un peu plus intellectuel avec l'histoire de la musique ou avec des procédés de composition moins basés sur les émotions, l'instinct, la pratique d'improvisation. Est-ce que, une question un peu, comment dire, un peu futile, friole peut-être, mais est-ce qu'à votre avis, la musique a des couleurs? Alors, personnellement, j'ai une tendance pour les couleurs pastels, donc pas trop de contrastes. Et en fait, la tâche que je me suis donnée, chaque compositeur doit développer les aspects positifs et négatifs de son langage. Et c'est un langage toujours en formation. Donc, j'étais passionné par la musique de Luigi Nono. La musique de Luigi Nono de cette époque-là était une musique très subtile sur des nuances pianissimo. C'était une sorte d'exploration du silence. Donc, un peu coloré. Alors, très peu coloré. Oui. Et à partir de là, la mission que je me suis donnée, c'est de pouvoir retrouver toutes les couleurs à partir de cette porte d'accès, qui était une porte peut-être très étroite. Et c'est le plaisir de ce travail. C'est pas le plaisir de ce travail, c'est ma façon de voir le métier du compositeur, ne consiste pas ni dans l'affirmation d'un langage qu'on dit à un moment donné être notre langage, c'est le style Gervasoni qui arriverait à un moment donné et voilà, il s'agirait tout simplement d'écrire des pièces à partir de ce style. Mais c'est une découverte permanente et c'est aussi une façon de forcer ses habitudes. Et donc, ça revient à dire que il n'y a aucune envie de revendiquer une force dans l'artiste lui-même, mais plutôt dans ce que l'artiste fait. Et après, c'est une autre histoire d'affirmer son profil d'artiste, sa figure d'artiste, sa renommée d'artiste, plutôt que d'affirmer un développement cohérent et conséquent. Alors moi, je pense, j'aime dire que face à ma musique, je me retire. C'est surtout ma musique que je voudrais mettre devant moi. Ça, on comprend, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Je dis ça parce qu'on vit une époque qui est peut-être
qui a commencé avec le début du siècle dernier. Donc l'artiste, ou même pendant le romantisme, l'artiste devient plus important que son œuvre. Oui, il y a un vedettariat un peu. Et aujourd'hui, tout ça, on le traduit dans des termes très business. Mm-hmm. Donc on fait le possible pour affirmer le métier, le rôle, la force de l'artiste. Et parfois, on oublie la qualité du travail de l'artiste. Alors, et on arrive même à dire « Ah, bah, il est bien parce qu'on écoute de lui énormément de pièces. » Ou pour l'art visuel, il est dans les musées, il fait beaucoup d'expositions, donc il est important. Je crois que cet aspect quantitatif qui est dominant dans certains secteurs de l'activité, de la vie en général, donc tout ce qui est industrie, finance, c'est la quantité, c'est pas souvent la qualité qui est déterminante. Maintenant que l'histoire de la musique se développe plus de manière linéaire, après Stravinsky, Schoenberg, Darmstadt, on ne sait plus dans quelle direction la musique va. Alors, parfois, on remplace ces valeurs historiques, artistiques, esthétiques par des valeurs tout à fait quantitatives. C'est donc le nombre d'exécutions, le pouvoir que tel compositeur peut représenter dans une situation donnée. C'est des rapports de force, c'est des rapports aussi qui ont à voir avec la mondanité. La présence du compositeur, la figure du compositeur, le corps du compositeur, on le dit pour les politiciens, certains politiciens italiens, mais c'est aussi pour les artistes, le corps de l'artiste, quelque chose qui doit toujours être exhibé avant même son œuvre. Donc il est important par son excentricité, parfois par son côté intellectuel. Est-ce qu'il est toujours important parce qu'on est capable de comprendre son travail et on a vraiment de l'intérêt à comprendre son travail? Il y a un danger à trop montrer le corps, parce qu'il y a un danger de cannibalisme. Exactement. Qu'on dévore le corps, n'est-ce pas? Et on s'est contente de ça. C'est ça. Et écoutez, il y a un de vos élèves qui assiste à notre entretien, et j'aimerais bien que vous le présentiez et qu'il nous dise quelques mots. Est-ce que vous voulez venir Tu viens, Juan? Tu peux t'asseoir là, peut-être. Alors, Juan Arroyo, c'est un des personnes qui me font voyager, parce qu'il vient du Pérou. Alors, il me parle de sa culture et de son expérience musicale là-bas. Mais ça fait déjà combien de temps que tu es à Paris? Ça fait 8 ans. Et en France, en fait. Je suis en France. J'ai étudié d'abord à Bordeaux. Et ensuite, j'étais pris ici au Conservatoire supérieur de Paris. Mmh. Voilà, dans la classe de Stefano. Oui, donc avec moi, c'est à sa cinquième année. C'est sa dernière année au Conservatoire. Il passera son concours, son examen de master, son prix, en fait. On l'appelle prix. Le mois de septembre, octobre. Septembre, octobre. Oui. Répondez franchement, est-ce que Stefano Gervasoni est un bon professeur? Ah oui. Ah non. Ah oui. Je crois que en fait, sans jeter des fleurs, il a été décisif quand même. C'est-à-dire que il pense. Je rejoins le mot ou la phrase plutôt rituel initiatique, parce que je me souviens toujours du premier cours ici avec Stefano. Je lui avais apporté une partition, même pas une partition, sinon quelques feuilles de musique, et j'étais très content de moi, très fier, parce que j'arrivais avec du matériel. Et la question qui soudain s'est posée, c'était: qu'est-ce que tu veux en faire de ça? Je lui dis tout de suite, un reflet. C'est la première chose que j'ai écrit, donc c'est le début de ma pièce. Mm-hmm.
Et la question qu'il m'a posée, pour moi, ça m'a bouleversé énormément parce qu'il m'a posé la question qu'il fallait poser, c'est-à-dire pourquoi ? Ah ben, je ne sais pas. C'est la première chose que j'ai écrite, donc forcément, c'est la première chose qui doit se passer dans la musique. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il y a tout un univers de questionnements qui s'ouvre et qui sont très importants, je pense, pour développer un artiste. On ne peut pas être, juste contempler ce qu'on a. Il faut aussi se questionner beaucoup. Mmh. Il part d'une expérience intéressante et qui a un lien avec l'Italie. Parce que alors, c'est le début de la pièce qu'il m'avait montrée. Souvent, le début des pièces, c'est une façon de démarrer un voyage, mais en musique, on peut redémarrer le voyage plusieurs fois. On dit, ça c'est la première chose qui me vient à l'esprit, je l'écris, et c'est le début de ma pièce. Mais on peut écrire plusieurs débuts de pièces, on peut peut-être faire une progression vers l'arrière, plutôt que en avant, dans le temps. Alors, Juan, après il a lu, tu peux le dire toi-même, le livre de Umberto Eco. Ah oui, bien sûr, Passo di Gambero, et que c'était aussi quelque chose qui s'est croisé avec cette information, puisque c'est un livre où Umberto Eco parle de la régression du monde vers les guerres saintes, et enfin, ça m'a fait penser à la place de cet objet dans toute l'histoire d'une pièce, comment la placer, et en même temps, il y avait des enjeux politiques, enfin, j'étais un peu inquiet aussi pour ce qui s'est passé dans le monde, donc ce livre croisait cette information sur la problématique sociale, l'homme, est-ce qu'il évolue ou est-ce qu'il évolue, enfin, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, et la place de cet objet au milieu de toute une dramaturgie musicale aussi. Je pense que c'est des choses qui se croisent beaucoup dans mon écriture. Finalement, la musique, il y a une dimension philosophique dans la musique. Oh, moi, je suis convaincu de ça. Oui, on peut dire ça. Stefano Gervasoni, nous avons l'habitude de demander aux personnages que nous interviewons de dire à notre public qui est un public francophone, mais il y a aussi beaucoup de gens d'origine italienne dans notre public, il y a des italianisants. Alors nous avons toujours l'habitude de terminer ces interviews par quelques mots en italien. Alors voilà ce que je vais vous demander. Lei che vive a cavallo tra la Francia e l'Italia, se fosse costretto a scegliere, cosa sceglierebbe, l'Italia o la Francia? Domanda difficilissima. Posso dare due risposte, una un po' banale, una più profonda, più sincera. Allora, Parigi, la Francia o Parigi? Già. Ma, dico la Francia, ma evidentemente significa Parigi. Mm-hmm. Allora, se è Parigi, la risposta banale è la seguente, ho bisogno di più soldi per poter abitare in questa città, che mi piace molto ma che non posso vivere soffrendo tutti i giorni. Può essere anche un po' ipocrita o un po' cinico quello che dico, ma è una città dove la sofferenza si vede nelle altre persone tantissimo. E ci vuole un po' di distacco. Purtroppo uno dei modi per creare questo distacco è il denaro. Non vorrei che il mio pensiero fosse mal interpretato, ma questo denaro può essere impiegato in opere di carità, ovviamente, non basterebbe a risolvere i problemi, e può essere anche impiegato per creare una situazione personale che consenta di rapportarsi a questi conflitti in una maniera più giusta, che non è quella dell'empatia e del soffrire con gli altri, ma è quella di poter dare un aiuto che è molto più concreto e che può essere anche un aiuto puramente intellettuale. Allora, non sono in condizione di poter abitare Parigi in questo modo, e allora questa sofferenza, la sofferenza che vedo tutti i giorni e fra l'altro in misura che cresce, mi sarebbe insopportabile per me. Allora, la decisione che ho preso è quella di abitare
Bergamo, che non è tanto distante da Parigi, e di prendere l'aereo o il treno. Ci sono anche dei voli diretti. Ci sono i voli diretti da Bergamo a Parigi e Beauvais. Sì. E non è una soluzione definitiva perché io ho abitato appunto dal 93 al 99 in casa mia. Dopodiché, quando ho avuto il posto qui, sono tornato a abitare in affitto, in varie soluzioni, in un collegio, in una residenza per studenti, professori, per due volte in un piccolo appartamento in affitto, e francamente non ci sono riuscito. Perché Parigi, perché io possa stare bene a Parigi, devo vivere nella maniera più serena possibile, essendo una villa, una città che ti sollecita enormemente, e vedo cosa succede nei miei studenti. Vabbè, quando ero giovane ero forse più capace di sopportare queste contraddizioni, ma lo stesso problema lo vedo nei miei ragazzi, e cioè si parlava prima dell'ispirazione, ma tante volte non riuscire a lavorare, a realizzare un progetto in conservatorio significa non aver potuto risolvere a volte un problema materiale vero, a volte un problema, diciamo così, spirituale, che però nasce da un problema materiale. Allora la concentrazione è un grosso problema. Lo stress da gestire nell'arco di 5 anni è un grosso problema, tenendo conto che il conservatorio di per sé è molto stressante, sì, perché hanno dei ritmi di lavoro, certo, delle scadenze precise. Poi il conservatorio aiuta perché ci sono delle borse di studio, degli appartamenti a tariffa agevolata, c'è un po' di mecenatismo, ad ogni modo per loro è una conquista ogni giorno. E per me, che non sono ricco di famiglia, e in qualche modo predico l'umiltà compositiva e artistica, anche Parigi diventa una città molto difficile. Ho abitato a Berlino un anno, Berlino è una città molto più facile da vivere. Sì. No, le contraddizioni non mancano, ma dal punto di vista economico certi problemi si affrontano con più semplicità. Stefano Gervasoni, merci, merci beaucoup pour cet entretien très intéressant, et même, disons, un entretien par certains côtés très illuminant, et ça, je pense que nos internautes auront eu moyen, grâce à vous, d'apprendre quelque chose, de comprendre mieux ce que c'est que la création et la composition musicale. Voilà, et je vous présente au nom de tous les internautes, de nos spectateurs, les vœux pour votre carrière. Merci. Voilà, merci. Encore merci. Merci, je veux juste ajouter une invitation, venez au conservatoire, parce que le conservatoire c'est pour les étudiants, mais c'est aussi pour un public. Il y a énormément de concerts, soit les pièces des étudiants qui sont présentées au moins 3 ou même plus, non, 5, parce que vous avez aussi les concerts électroacoustiques. Donc il y a 5 concerts sur l'année des étudiants, et puis des productions d'opéra, de la danse, parce que c'est aussi un conservatoire de musique pour la danse. Et qu'il y a encore des projets spéciaux comme le jazz, l'improvisation, les nouvelles technologies, donc. Alors, tous ces concerts sont gratuits. Donc, nos internautes, justement, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, maintenant, ils savent qu'ils peuvent venir au conservatoire, que les portes leur sont ouvertes. Sont ouvertes, et normalement, c'est à partir de 7 heures les concerts. Très bien. Voilà. Merci. Merci. Merci.